Bonjour les signes du Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bien, bien. Alors je vais débuter maintenant le dernier tirage de l'année, le tirage du mois de décembre. Je commence par une petite intro toute courte pour vous dire merci beaucoup pour les abonnés, pour vos partages, vos suivis, vos emails, vos commentaires. J'adore vos commentaires. Et puis surtout pour ceux qui se sont abonnés, pour les nouveaux, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc je prépare des guidances générales, donc c'est vraiment des informations qui arrivent pour le signe du Gémeaux. Donc ça peut être des informations sur le plan du travail, pour les célibataires, les femmes célibataires et pour les couples. Voilà, donc il se peut que tout le tirage peut résonner avec vous, il se peut qu'une partie du tirage va résonner avec vous, et il se peut aussi que rien du tout ne résonne avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder d'autres chaînes, d'autres vidéos, ou de regarder aussi effectivement votre signe ascendant. Voilà, alors c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Roulement de tambour. Hop. Waouh, sérénité. Tranquillité. Ok, un besoin, ouais, d'accord, ça me parle pour mes amis les Gémeaux. Donc là, on va être au mois de décembre, vous allez être, mes amis les Gémeaux, très serein. On vous demande beaucoup de calme, beaucoup de calme et beaucoup de calme parce qu'il va y avoir pour certains Gémeaux des entrées d'argent, des ouvertures, quelque chose qui arrive enfin sur un projet que vous avez mis en place. Et donc, on me dit ici de se calmer un peu. Il y a une forte excitation, donc là je le ressens effectivement. Il y a pour vous mes amis les Gémeaux, quelque chose que vous avez travaillé longuement depuis un moment, donc un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose d'héréditaire. Vous allez peut-être hériter d'une fortune, ça peut être ça aussi. Vous allez au courant du mois de décembre peut-être hériter d'une fortune. Ou vous avez peut-être reçu un don spirituel aussi que vous allez développer à partir du mois de décembre et qui va vous permettre d'ouvrir des portes sur un projet. En tout cas, on me parle d'un retour financier. Et un mois de décembre qui va être très, très doux, très calme pour les natifs du Gémeaux. Alors, c'est parti pour le mois de décembre. Alors, en amour, waouh, waouh. Alors, pour les couples, tout va bien. Pour nos femmes célibataires en communication, pour les hommes célibataires, il y a un retour. Waouh, ben le tirage, il commence bien, là, dis donc, hein. Pour le travail, ah, il y a peut-être des départs, mais c'est pas grave, on viendra un petit peu plus tard. Retard, d'accord, un peu de jalousie, c'est pas grave. Ça et ça, oula, ouais, non, ok. Alors, mes amis du signe du Gémeaux, alors je répète encore avant de commencer, ça c'est quelque chose que j'aime bien, vous allez voir, moi sur ma chaîne, je passe ma vie à répéter, mais pour moi, il faut que ce soit bien assimilé pour tout le monde. C'est un tirage général, il y a des informations qui vont résonner avec vous, d'autres pas, d'accord? Parce que des fois je peux être un peu dure sur ce que je dis pour pas le prendre personnellement, mais peut-être que si je suis un peu dure comme ça, ça va vraiment bien toucher et résonner à la personne en qui je parle. Ici, donc dans l'ensemble, c'est un mois de décembre assez dynamique, hein. Je ressens quand même une excitation des Gémeaux qui vont être dans le mouvement. Si je commence par une note négative, c'est sur le plan professionnel pour vous les Gémeaux tout au mois de décembre. C'est la seule partie dans ce tirage qui est, je dirais, négatif. Ici, je vois des entreprises qui vont fermer, des entreprises familiales qui vont fermer. Vous allez être soutenu certainement par des amis. Il va y avoir des licenciements pour certains. Il y a des entreprises mères ou des entreprises, des maisons sœurs. Voilà, des maisons sœurs en qui vous pourrez éventuellement postuler.
je vois des écoles, là, pour ceux qui travaillent dans le secteur de l'enseignement. Donc là, il y a quelque chose aussi. On vous a proposé un poste, ça n'a pas été, ça a été refusé. En tout cas, il y a, sur le plan professionnel, ce n'est pas bon. Donc il y en a qui vont peut-être tomber malade. Je voulais le dire, mais je n'osais pas, mais il y a la carte santé qui est arrivée tout de suite ici. Il y en a qui, peut-être, d'entre vous, les Gémeaux, qui ont beaucoup travaillé cette année, beaucoup investi de votre temps, de votre argent, et là, épuisé, fatigué, je vois certains Gémeaux passer une bonne partie du mois de décembre à se reposer. À se reposer, à se remettre en question par rapport au travail. Il se peut, désolé, il y en a certains d'entre vous qui ont fait ou qui sont actuellement en burn-out. Il y en a ici où on me dit qu'il faut passer le cap de cette séparation avec cette structure. Ouais, et il faut vraiment que vous vous protégiez. Voilà, donc au niveau professionnel, voilà, c'est moins joli pour nos amis les Gémeaux. J'aurais peut-être plus d'informations tout à l'heure avec les autres tirages. Mais là, pour certains Gémeaux, il y a une période de tranquillité. Donc dans la coupe, on avait vu tranquillité. Ici, on me dit lever pied en tout cas, parce qu'il se peut qu'il y ait des soucis de santé. Dans le cadre de l'amour, pour tous ceux qui sont en couple, donc c'est un amour qui grandit, avec des projets financiers importants. Il y en a certains Gémeaux qui vont investir, investir sur un projet peut-être médical, une union que vous allez faire avec votre conjoint. Je vois un couple qui a décidé de parler maintenant beaucoup plus argent, de mettre les choses sur table et de discuter sur les dépenses et sur les économies. Il y a, c'est une discussion, qui va être mise en place, je vois plus par les femmes Gémeaux. Ici, on vous dit que dans votre couple, vous devez parler du plan financier, c'est important. Alors, ça va créer quelques retards. Il y en aura peut-être quelques-uns qui vont... il y aura quelques retards, on me dit, sur le plan financier. Voilà. Alors, il y en a certains, peut-être pour Noël ou avant Noël. Vous allez discuter avec votre chéri de la possibilité d'acheter un appartement ou une maison. Donc il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Vous allez être très lent à vouloir prendre une décision. Ici, on me dit que peut-être vous allez arriver, vous allez peut-être voir une maison, mais vous allez louper une occasion parce que vous n'étiez pas encore prêt, vous n'aviez pas encore préparé tous les dossiers administratifs. On me dit aussi que peut-être que le logement que vous allez acheter, pour ceux qui sont en couple, il est peut-être à distance. N'hésitez pas aussi à regarder des biens aussi un peu plus loin que votre domicile ou un tout petit peu plus loin que votre travail. Parce qu'ici, on me dit qu'il y a des belles opportunités. Waouh ! Ok. Vous allez peut-être trouver la perle rare un tout petit peu plus loin que votre domicile. Ici, c'est la femme Gémeaux. Donc, c'est elle qui va prendre les choses en main. Le mari va prendre aussi les choses en main, mais j'entends, tout ça va être dirigé par la femme Gémeaux. Donc c'est elle qui va mettre en place, on me dit que vous pouvez discuter avec votre conjoint et parler de ce projet, parce qu'effectivement c'est quelque chose que vous voulez depuis un moment. Et là, les énergies, en tout cas pour décembre ainsi que toute l'année 2020, est vraiment en votre faveur pour l'achat d'un immobilier. Pour les femmes célibataires, donc là, ici, on sent des envies d'échange, de discussion. Ça papote beaucoup avec l'envie d'un retour. Ici, il y a peut-être certaines femmes Gémeaux qui désirent reprendre avec un de vos ex. Hélas et malheureusement, il y a des sensations, un petit peu de jalousie, on me parle. Il y a eu un passé qui était un peu... soit vous avez accusé monsieur, ou voilà, mais on parle de jalousie. Donc là, il va falloir savoir
travailler là-dessus, parce qu'on sent une femme Gémeaux très jalouse. Et puis pour ce retour avec peut-être cet homme que vous dérivez, alors peut-être qu'il habite proche de chez vous, ou bien un petit peu plus loin, peut-être aussi une distance avec cet homme, il va falloir faire un travail. Un travail sur vous, sur la jalousie. Savoir gérer les choses. Savoir peser les choses. Cette relation, si vous désirez un retour, on me dit que oui, vous allez être surpris. Vous allez être surpris pour autant que vous gagnez une autre approche. Et ici, vous avez besoin de discuter et d'échanger. Je sens une femme Gémeaux qui a besoin d'être rassurée par rapport à une ancienne relation qu'il y a eu, où il y a eu un petit peu de jalousie. Et là, ici, je pense que si vous discutez calmement avec cette personne, il se peut que vous soyez surpris, ouais, et que vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas pensées. Et on me dit que oui, vous pourriez être surpris, mais il peut y avoir un retour. Et c'est vous qui allez déclencher tout ça. Déclencher tout ça. Parce que vous avez appris par rapport à cette jalousie. Alors, soit c'est l'homme qui est jaloux, soit c'est vous qui êtes jaloux. Mais, waouh, on voit une femme Gémeaux qui a peut-être appris quelque chose sur son caractère, avec le contrôle. Ouais, on voit que c'est quelqu'un où vous aviez besoin de contrôler tout le temps, soit les réseaux sociaux, ou d'avoir la loupe sur les affaires administratives ou autres, et que là, maintenant, vous vous êtes bien rendu compte que ça ne servait à rien, et vous allez être très surpris de ce retour. Pour les hommes Gémeaux, alors là, vous aussi, il y a un retour, mais on vous sent d'un niveau supérieur maintenant, là, à la femme Gémeaux. Là, vous avez envie de projets. Vous avez envie d'un retour, certes, mais d'un retour construit sur de bonnes bases, sur un retour sain, sur un retour avec des projets. On vous sent déterminé à vouloir vous engager dans une relation sérieuse, mes amis, les Gémeaux. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, naissance. Pour les célibataires, je comprends pas. Là, je comprends pas. Alors oui, bah oui, c'est clair. Là, tout comme la femme Gémeaux, vous souhaitez un retour. Il se peut que dans le passé, vous soyez séparé avec une femme pour des raisons de fécondité, de naissance. C'est-à-dire que elle voulait avoir des enfants, santé, hein. Elle voulait avoir des enfants, et puis vous, c'était pas du tout votre priorité sur le moment. Et là, maintenant, vous avez réfléchi sur cette possibilité de, c'est trop beau, d'avoir un enfant, et vous êtes prêt maintenant, et c'est comme un rêve ou comme un souhait, mes amis hommes Gémeaux, célibataire, hein, où vous avez effectivement envie de construire. Donc on revoit encore l'ouverture ici, on voit que vous avez envie de construire une famille, un foyer. Je vois le côté santé là, côté, voilà, vous avez vraiment envie d'une relation saine, mais on vous sent quand même un peu, je ne sais pas si je me fais comprendre, on vous sent quand même un petit peu renfermé, un petit peu anxieux, un petit peu coupable. Ici, on voit anxiété, culpabilité. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça veut dire que vous avez envie de faire le premier pas. Vous avez envie de créer un foyer et d'avoir un enfant. Mais vous avez peur aussi. Donc, vous êtes, on me dit ici, vous êtes un peu anxieux, mes amis les Gémeaux.
peur aussi par rapport à votre situation. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On voit une situation financière ou professionnelle, effectivement, qui, pour le moment, ne vous permet pas non plus de mettre en place plein de projets. On sent ici que j'ai séparé, je ne sais pas si vous voyez, mais inconsciemment, j'ai fait ici une séparation plus importante entre le professionnel et la vie affective. Et c'est ce qui se passe, je pense, actuellement maintenant pour les Gémeaux, c'est que vous donnez une importance effectivement maintenant sur votre vie affective, mais il y a ce mais de cette partie au niveau professionnel où c'est encore un peu bancal, où vous avez envie de vous protéger, où vous avez besoin que cette situation professionnelle soit saine pour pouvoir emménager, pour pouvoir faire des projets d'achat, on me parle ici. Voilà. Donc il y a vraiment, je ressens quelque chose de bien séparé entre le travail et l'amour. Et pour vous, mes amis les Gémeaux, c'est un peu difficile de gérer ces deux-là. Je le ressens ici, que je ressens cette envie de se mettre en couple pour les célibataires, c'est fort. Pour les femmes Gémeaux, il y a encore un travail à faire par rapport à la jalousie. Alors, je vais regarder avec le 77, juste pour compléter un petit peu ce tirage. Alors, n'hésitez pas, mes amis, à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai une petite surprise pour vous. À la fin de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de 2020, un peu les tendances pour 2020. Alors, restez bien avec moi. Alors, ok, donc, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, c'est ligne droite, ça avance. Vous faites votre parcours de chemin. Ça stagne, c'est une relation stable, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, donc tout va bien. Là ici, il y a une évolution maintenant, vous allez, les femmes Gémeaux ont envie maintenant de... Il y a une évolution, il y a une envie de se mettre en couple. Ici, il y a un conflit intérieur pour nos amis hommes Gémeaux, c'est à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a aussi cette envie d'évolution pour les hommes Gémeaux, mais c'est une bataille intérieure avec, c'est difficile, ça veut dire que, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi je me comprends, mais c'est à dire que oui, vous avez envie de ce retour et d'un bébé et d'une naissance, mais d'un côté non, j'ai pas envie parce que j'ai aussi envie de voyager. J'aime bien voyager, j'ai mes projets, j'ai envie de faire mes trucs pour moi. Donc du coup, vous culpabilisez. Donc d'un côté, oui, j'ai envie, mais de l'autre, pas trop. Donc c'est une bataille intérieure. Et actuellement, vous n'avez pas encore trouvé un équilibre. Ici, on me parle sur le plan du travail. Il y en a qui sont passionnés par leur métier, donc ça peut être passionné par le métier de la santé, hein. Je vois des métiers avec des enfants et des métiers dans le secteur médical. On sent que pour certains, ils ont quitté leur emploi, c'était un emploi de rêve, c'était un emploi, leur emploi idéal, et ça fait un peu mal au cœur, et vous allez vous battre pour cette entreprise, en tout cas, si c'est une start-up ou une autre entreprise qui est en train de couler, vous sentez le licenciement arriver, pour vous, ça vous touche beaucoup parce que c'est une entreprise qui vous tient à cœur. Que nous dit le Béline pour ce tirage, pour nos amis les Gémeaux? Alors, ok, je suis un petit peu étonnée. Mais bon, ok, fatalité. Ah, ouais, ok, intelligence, d'accord. Et intelligence de foi, ok, super. Alors ici, on me parle pour les couples.
il y a, vous allez rencontrer quelques petits problèmes dans cette période de recherche de logement. Alors, il y en a un qui voudra proche d'une piscine, proche d'une maison de sport, proche d'un établissement sportif, proche des centres commerciaux, proche de l'école. Ça va créer quelques petits conflits. On ne va pas être d'accord sur le lieu, on ne va pas être d'accord sur la distance, on va pas être... Donc il y aura, il se peut, quelques petits désaccords, mais rien de grave. Ici, pour mes femmes Gémeaux, donc vous allez, je suis un peu dure, hein, mais voilà, il y a des femmes Gémeaux qui sont conscientes de leur jalousie. Qui sont conscientes de leur contrôle, qui sont conscientes qu'il y a quelque chose à mettre, à équilibrer. Ce sont des femmes intelligentes, là, avec qui je parle. Il y a des femmes qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à un souci avec la jalousie. Et il y en a qui vont avoir beaucoup de chance et qui vont développer et qui vont travailler sur la jalousie. Et qui vont faire un très beau travail de développement personnel par rapport à ça. Où elles ont compris, où elles vont comprendre que pour avoir un bon équilibre dans le couple, ces contrôles, ces questionnements, tout ça, c'est la jalousie, tout ça, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas nécessaire. Waouh ! Et c'est de là qu'on parle que la femme Gémeaux est en élévation. Vous voyez, il y avait la carte élévation. Et vous-même, vous allez être surpris. Vous-même, vous allez être surpris d'avoir évolué si bien. Vous avez des paroles, on me dit, blessantes. Vous accusez, vous pointez du doigt. Donc, vous accusez, vous pointez du doigt. Vous pouvez être très, très dur. En couple, ce qui en fait au final n'apporte pas, n'aide pas à l'évolution du couple. Et là, avec les différentes expériences que vous avez eues du passé, vous avez compris qu'il faut mettre cette jalousie à part. Vous avez travaillé peut-être sur cette jalousie, vous avez fait un travail intérieur sur vous-même, ouais, juste magnifique. Vous êtes une femme intelligente ici, on me dit, et que vous avez vraiment compris que ce n'était pas nécessaire et que ces contrôles, au final, ne vous servaient à rien, c'est juste trop beau, et que maintenant, vous allez mettre un équilibre. Et ici, on me dit qu'avec la carte bleue, on me confirme que ce que vous allez mettre en place, si c'est en tout cas ce que vous allez mettre en place au courant du mois de décembre, ou si c'est, vous l'avez déjà fait auparavant, on me dit que ça va vous porter des fruits, ça va vous protéger pour les autres relations. Pour les autres relations, tout ce que vous allez apprendre par rapport à la parole, hein, par rapport aux accusations, d'accord, par rapport à la jalousie, d'accord, vous allez être très surpris des relations que vous pouvez avoir et développer avec les hommes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, laissez un petit message en commentaire. Et puis si pour les femmes, pour les hommes Gémeaux, alors vous allez être, donc ici on parle d'intelligence, de foi, hein, donc oui, l'homme Gémeaux, la femme Gémeaux, vous êtes, voilà, vous réfléchissez bien, vous êtes intelligent et vous apprenez très 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 bien de vos épreuves. Vous êtes de nature positive, on me dit. Vous avez besoin de lumière dans votre vie. Vous cherchez toujours à déculpabiliser les choses. Vous allez, vous les hommes, essayer de continuer à... Ouais, j'en vois aussi qui vont faire du développement personnel et d'apprendre, beaucoup d'apprendre sur leur personnalité. Voilà. Alors, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin du tirage parce que j'avais une petite surprise, un petit cadeau pour vous, mes amis. Les Gémeaux, c'est un tirage
avec cet oracle qui s'appelle Osho Zen Tarot. Et je l'ai fait pour les autres signes. Alors, je peux vous dire que j'ai eu que des retours positifs. J'espère que vous allez aimer. On va regarder ensemble la tendance du mois de décembre. D'accord ? On va regarder ce qui vous attend, surprise. On va regarder ce qui vous attend en 2020 et voir un petit peu 2019. Mais on va se concentrer entre décembre et toute l'année. C'est une introduction de 2020, d'accord ? Une introduction de ce qui vous attend au niveau des énergies, on est d'accord ? Ouais, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, mes amis, les Gémeaux. Ici, on est un petit peu entre 2019-2020. Ici, on me parle de répression. Il y a des chaînes. Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir si cette carte, elle vous parle. Ici, il y a des cordes, il y a des chaînes. Il y a des choses qui vous rattachent au passé, des choses héréditaires, des choses, des valeurs, des convictions, des fausses visions de la vie, des fausses éducations, des choses qui vous rattachent à un passé qui n'est pas fait pour vous, au final. Et vous avez la tête coincée. Et là, vous avez envie pour 2020 de beaucoup plus de liberté. Vous avez envie pour 2020. Donc là, on sent des Gémeaux pour toute l'année 2019. Où vous avez été attaché. Moi, je sens de l'attachement. Et là, vous avez envie, donc c'est le mât, de repartir de nouveau, de débuter quelque chose. De débuter quelque chose avec beaucoup plus de liberté. On sent une légèreté ici. C'est ce que vous allez apporter en 2020. Vous allez lâcher toutes ces cordes qui vous relient à des fausses valeurs. Et vous avez envie de démarrer quelque chose de coloré. Quelque chose de très léger. Vous allez débuter l'année avec une grande légèreté mentale. Et on le sent ici, parce qu'il y en a, principalement les femmes, il y a une légèreté, vous allez lâcher le mental. Et puis surtout, ce que j'aime le plus dans ces quatre cartes, c'est cette carte-là. Parce que 2020, vous allez vous faire confiance. Voilà. 2020, vous allez avoir confiance en vous, avoir confiance en vos compétences, avoir confiance en votre personnalité, parce que vous avez cette liberté, parce que vous allez, alors là vous allez me poser la question, mais ces cordes, je vais les arracher quand, en décembre ou au courant de l'année 2020? Bonne question. Ici, il y a tout un travail entre la répression et le mât. Donc, tout dépend de la rapidité, de comment vous allez faire tout ça. Moi, pour moi, il y a déjà un travail qui avait été fait déjà en 2019, pour moi. C'est-à-dire que déjà là, vous saviez que votre tête était trop, que vous étiez relié à trop de choses, trop de valeurs, que vous étiez attaché de partout. Cette chaîne, cette photo, elle est vraiment... Elle est vraiment forte, hein. Cette image, elle est très, très, très forte. Et moi, je vois carrément un début d'année. Moi, je vois de décembre à janvier-février. Voilà. Je vois vraiment comme ça, une certaine liberté. Et là, vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance sur tout. Sur tout ce que vous allez entamer, vous allez vous faire confiance. Sur le plan professionnel, en amour, sur des choix, sur des prises de décision. Et là, on voit encore la légèreté. Et puis, je pense que ça va vous parler aussi, mes amis les Gémeaux. Alors, c'est soit
vous allez vraiment prendre soin de vous en 2020. Alors, c'est soit effectivement vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc là, c'est la carte de la paresse. Ici, on vous dit, lève le pied, quoi. Prends soin de toi. Alors, reste confiant, parce que pour se poser comme ça, pour se pavaner comme ça, avec le parasol et le cocktail, il faut avoir confiance. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec le coussin comme ça. Donc ici, comme vous allez débuter quelque chose où vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, on va sentir que vous allez être beaucoup plus apaisé, on me dit. Cette année, pour les Gémeaux, sera... Alors déjà, du fait que sur le plan professionnel, ici, au niveau de la santé, moi, il me semble, je sens qu'il y en a qui ont donné, beaucoup travaillé en 2019. Et là, vous allez travailler, hein, parce qu'on voit qu'il y a un échiquier là. On voit que vous allez... On voit que vous allez travailler, mais vous allez aussi prendre soin de vous. Vous allez prendre en toute confiance et vous allez être... Ça va vous faire du bien de faire un peu le pacha. Voilà, donc en résumé, c'est j'arrache mes cordes. Je me libère, il y a un nouveau départ pour certains Gémeaux. Ici, on part sur quelque chose de nouveau. Et moi, la carte centrale, celle qui me saute aux yeux le plus, c'est vraiment la confiance. C'est vraiment, vous allez vous faire confiance. Et ça va faire du bien aux Gémeaux. Alors, je vais regarder vite fait avec guérir avec les anges de Dorine Virtue. Je vais juste prendre deux cartes. Pour voir un peu la tendance pour le mois de décembre. Je reprends le mois de décembre. Donc là, on était sur 2020. Hein. Donc juste pour le mois de décembre, pour mes amis, visualisez le succès. Voilà, protégez-vous. Voilà, je vais encore reprendre deux cartes. Des archanges, le tarot des archanges, de Dorine Virtue pour le mois de décembre, pour nos amis du signe des Gémeaux. De Gabriel, très bien, conduite divine, waouh, ouais, c'est très beau, ouais, donc c'est très 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 bon début d'année, là. Ouais, nouvel amour, engagement, ok, super, alors mes amis les Gémeaux, c'est très clair. Ici, pour ceux qui sont en couple, donc j'ai eu la carte engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, je vous rassure, pour tous ceux qui sont en couple, l'année 2020 sera tout aussi bien que celle de 2019. Là, vous allez vous engager, vous allez vraiment partir sur quelque chose de sérieux. Pour nos amis célibataires, donc il y a un nouvel amour qui va arriver. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on sent des femmes Gémeaux beaucoup plus confiantes au courant du mois de décembre et prêtes à rencontrer un nouvel amour pour les hommes aussi. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver. Ici, on me parle aussi de visualiser le succès. Donc, pour certains, voyez-vous sorti vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Alors, j'ai pas envie de dire que vous êtes un petit peu en manque de confiance en soi. Pour certains, peut-être oui. Ici, on parle de que vous avez le droit au succès, que vous avez tout en main pour réussir et que vous devez visualiser le succès et gagner beaucoup plus en confiance en soi. Parce qu'il y a du potentiel. Protégez-vous. Ça, c'est l'archange. Protégez-vous ici. Regardez, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ont travaillé un petit peu beaucoup, pour ceux qui ont peut-être fait des burn-out ou qui ont beaucoup travaillé, qui sont tombés malades. Ici, on me dit au mois de décembre, protégez-vous et occupez-vous effectivement de votre guérison. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse, promotion. La conduite divine, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisons preuve d'une grande sagesse. C'était où j'avais tombé sur amis.
Voilà, non, c'était sur la coupe. Ouais, ici, amitié, bouclier. Alors, ça, avec la conduite, ça se parle ici. Amitié, bouclier, intelligence par rapport au travail. Ici, on me dit de vous dire de vous entourer d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Sur le plan professionnel, il y a des gens qui peuvent vous aider si vous souhaitez, par exemple, créer votre propre entreprise. Il y a des gens qui vont vous soutenir. Voilà, mes amis les Gémeaux. J'ai pris combien de temps? Waouh, 35 minutes. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a une tendance plus sur le développement personnel, je trouve. On part sur quelque chose de très positif pour vous pour 2020, en introduction. Cette carte, les deux cartes qui m'ont le plus parlé, c'était, je ne sais pas, ouais, c'est la paresse. Hein, j'ai eu un regard très posé et très long sur cette carte. Je ne sais pas si ça vous parle, est-ce qu'il y a des projets de vacances ou autres, est-ce que vous avez besoin de repos. Donc voilà, moi cette carte, elle m'a beaucoup parlé. Et puis celle-ci aussi, je vais la mettre comme ça ici, d'avoir une certaine liberté, vous avez besoin de ça et de gagner beaucoup plus en confiance. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime juste là en bas, de cliquer sur la petite cloche pour être informé lorsque je mets de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année, un bon début d'année 2020, et on se retrouve en janvier pour le tirage du mois de janvier. Voilà, à très bientôt mes amis les Gémeaux. Au revoir.